Il vient d'avoir un accident. Ok, on vous la voit au bloc. Il est passé de 40 ans. Oui. D'accord, à tout de suite. On commence par le compliqué, comme ça c'est fait. Hein. Eden, 28 semaines, 6 septième. 1,240 kg. Elle a fait un gros incident, une bradine des sacs. J2 hypothermie suite à son asphyxie néonatale. Des scores de douleur quand même de temps en temps assez élevés, jusqu'à 10 ou même 12. Sous morphine en continu, on laisse 7,5 gamma, c'est 1,5 millilitres heure. C'est ça? 0,15. 0,15. Son frère Léandro, alors? Alors, son frère, bah, lui, c'est super. Il pèse 1,110 kg, c'était le poids d'hier, moins 40 grammes par rapport au 28. Il y avait un poids qui avait été fait, mais qui était... Un bon pH ce matin, 7,30, PCO2, 49, un base excess à moins 2,7. Point de vue respi, donc il a intubé un tube numéro 3, il est en HFO. L'auscultation cardiaque donne un souffle à 1,6. Au niveau pulmonaire, il n'y a rien de particulier. L'abdomen est bien souple. Très bien. Thank you.
Oui. Mouillé parce que j'ai commencé à prendre du lait. Tu peux vraiment serrer quand même bien. Donc, ça t'inquiète pas, ça va pas leur faire mal ou quoi, c'est de la mousse. Hein, donc, puis ça se desserre très vite surtout. Donc, voilà. Et alors là, tu vois, je sais pas si tu peux remarquer. Donc toi, on a quand même changé, on a mis à la place du masque, on a mis le prong. Et alors, tu vois, sa respiration est beaucoup plus irrégulière que quand elle avait le masque. Mmh. Ouais. Léger. Ouais, vraiment léger, mais tu vois, je pense que. J'avais l'impression de voir. Elle doit s'adapter, tu vois, au changement de. Rien que tu vois, le fait de passer du masque au prong, donc imagine-toi après pour elle de passer aux lunettes au début. Mm-hmm. C'est vraiment tout un effort. Je suis. Oh, voilà ma belle, ma belle, ma belle. Voilà, chérie. On ne va pas lui remettre ses lunettes avant demain. Comme ça, on la laisse récupérer. Il ouvre les yeux. Coucou, chérie. Tu apprécies, maman ? Vous vous mettez comme ceci. De deux côtés, on va vous passer juste entre ses jambes. Vous allez le faire deux, trois fois et puis ça va aller tout seul. D'accord. Voilà. Et quand on l'observe, lui, c'est vrai que par moments, il respire un petit peu plus vite, mais globalement, il respire de manière normale. Donc, c'est intéressant parfois de faire la différence et d'apprendre à surtout le regarder lui et pas regarder le moniteur. La différence entre les deux est vraiment chouette à faire.
Bien. Ok. T'as vu le lait? Voilà le bébé. Toi aussi, tu as bu le lait de maman? Oui. Oui, hein. Oui, oui. Toi aussi, tu as bu comme ça. Hein? Oui. Oui, hein. Ça coule pas ici, hein, à mon avis. Alors, il faut morcer un petit peu. Là-bas. Là-bas. Il y a vraiment des manches sur le ventre. Il y a des manches sur le ventre. Eh bien, il ne faut pas courir le marathon. Je vais dresser un petit peu sur le ventre. Comme ça. C'est ça. Celle-là, elle va là, comme ça. C'est bien. Allez, vas-y. Vas-y. Mets les gros d'abord, hein, chou. Oh, là, tu prends pas de risque, hein. Hein, chouchou.
cavités des ventricules dans un cerveau? Non, ce sont des cavités. Les ventricules, c'est pas du cerveau. En fait, c'est une cavité dans le cerveau que tout le monde a. Et ce sont des cavités qui sont remplies d'un liquide. Et en fait, chez Eden, il y a un peu de sang dans une des cavités. Et donc, il y a un peu de sang, c'est ce qu'on appelle une hémorragie, hein, de grade 2. Madame, donc, votre épouse est inquiète. Hein, donc, vous comprenez évidemment, peut-être que vous aussi, hein, j'imagine. Hein, donc, nous allons continuer à suivre ces images. Hein, donc, il y aura des échographies de contrôle. D'un point de vue respiratoire, donc, on doit continuer à la suivre. Maintenant, elle va avoir besoin de son support respiratoire pendant plusieurs jours, si pas semaines. Hein, donc, ça, il faudra de la patience. Oui, c'est la salive qui sèche en fait sur ses lèvres. Ça fait des papiers comme ça. Un coton de. Je vais remettre un peu d'eau. Tout est fini. Il dit que c'est important de prendre des vitamines, puis on s'en prend pas. On veut le mieux pour nos enfants. Mais... Hein? Je dis on veut le mieux pour nos enfants. Mais...
super réveillé. C'est ça. Tu fais ça comme un champion. Encore une. Si tu tires la langue, j'en ai encore une. Tu veux encore? T'es un champion. Et toi, tu vas dévorer ta maman quand tu pourras. Mmh. Que c'est pas mal, moi je suis. Il nous passe à 19 cet après-midi. Déjà ? Ils ont dit qu'il était grand, qu'il digérait bien. Et comme ça, on peut enlever son caté. Plus comme vite. Ça. Ah, bientôt. Bon, donc, d'ici la fin de la semaine, il sera libéré. Mais tu fais des pâtes géantes, toi ? C'est de rentrer à la maison. Ah, moi aussi, je suis chaud. Thank you.
de lait de maman. Oui, ça fait du bien. Votre petite sœur, elle râle. Elle aimerait bien aussi prendre un bain. Tu peux continuer à le savonner. Super, on va l'enlever là toutes 5 minutes. Voilà. 1,845 kg, il faudra décompter les choses. Ouais. Hein. Ça va? Oh, je vais le noter. Non, je vais pas prendre plus. On va faire 2,250 kg moins 70 le tétra. C'est 245. Bah, pff, ouais, 25. Une grande bouche de l'intro, hein. Comme tu as fait tout à l'heure. Ouais. Oui. Là, c'est la bonne main. Voilà, ça, c'est la bonne. Voilà, ça, c'est bien. Mais il fait quand même que 2-3 oui. mouvements de succion. Donc ici, on n'est pas du tout dans la tétée efficace. Hein. Donc c'est vraiment, on est dans l'apprentissage. Mm-hmm. Il est fatigué, mais il se fait plaisir en prenant le bout du sein. Voilà. Il commence à se mettre. Là, on rentre dans une tétée efficace, mais il a le bout, mais... Donc, c'est au-dessus de 6 succions, on rentre dans une tétée efficace. Et surtout, si on l'entend avaler, alors on peut se dire, tiens, il a quand même avalé quelques gorgées. Et même sans balance, vous savez estimer combien il boit. Mais ça, c'est avec un peu d'entraînement. Il dort. Oui, là, il dort. Il n'y a même plus de mouvement. On peut aller le reposer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est lui, c'est le petit 5. S'il a vu 5, je trouve que c'est déjà très très ouais, bien. Je pense aussi. Sur le 5.
2,180 kg. Donc on est le 13. 2,100 kg. On peut mettre 75 puisque voilà. On ne sait pas comme ça. Voilà. Et donc en fait, il a quand même grossi. Il a très bien grossi. Hein. 65 grammes. Très très bien. Oui, Andro. Aujourd'hui est négatif, il n'y a plus de risque. Mmh. Okay. Tu voudras vérifier faire. Aussi s'il est frottis. À propos de Eden, évidemment, cette hémorragie, on l'avait déjà aperçue après la naissance. Et aujourd'hui, donc, on a eu la confirmation du fait que c'était une petite et qu'elle était même déjà diminuée. Donc cette hémorragie ne nous inquiète pas. Ce qu'on peut dire dans l'ensemble, c'est que Eden, depuis qu'elle a pu être détubée, elle est stable et elle va bien. Donc vous arrivez, bébé inconscient, comment vous allez voir qu'il est inconscient, qu'il ne respire pas, c'est comme ici, soit vous avez un monito, il y a le monito qui sonne, soit il est bleu, il est pâle, vous voyez qu'il ne respire pas. Alors c'est comme ici, première chose à faire évidemment, c'est le stimuler. J'ai oublié de dire, essayez de vous mettre bien perpendiculaire, okay. Si vous avez plus de force. Si vous mettez un peu de travers, vous avez moins de force et c'est plus fatigant. Si ça dure qu'un cycle, ça va, mais si ça dure 3, 4, 5 cycles, vous avez plus facile de vous mettre bien droit parce qu'alors vous avez plus de force. Ok. Après. On recommence deux fois. Mm-hmm. Et de nouveau avec les doigts 30 fois. D'accord. Allez. On est reparti. On y va.
30 fois. Ils sont encore imperturbables, hein. Encore une étape. Ils continuent à dormir. Oh. Oh, ils sont tout bien. Oh, 2 jours, c'est trop. Bah, de toute façon, on sort mercredi, donc. Oui, si, tu peux. Bah, ouais, préviens tout le monde, ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, je te laisse parce que la petite s'énerve là, ça va? Allez, tantôt, ouais.
tellement contente que j'ai une montée de lait. La dent. Comme tirer un peu de lait après. Je sais, il faut qu'on un pédiatre pour que je le dise. Mort. C'est maman qui tient. Mort. Parle au mur, c'est la même chose. Hein? Gabriel, tu vas apprendre à écouter un petit peu maintenant. Hein? Toujours en faire à ta mode. Commencer. Après, papa va lui frotter la lingette. Hein. Bonjour, c'est Laurence, la maman d'Eden et Léandro. C'est juste pour prévenir Catherine que je suis en train de boire un café en bas, donc j'arriverai pour tirer mon lait pour midi. Hein. Ça va? Merci, à tout à l'heure. Ouais.
ma choupette. Vas-y, ma chérie, prends. C'est tout pour toi, ma louloute. Bon, un petit peu, chérie. Tu mets ta petite bouche en cul de poule. Ma choupette. T'as du sang même sur ton petit nez, chérie. Bon. Peut-être un petit peu plus tard. D'accord. On désespère pas. La poupée. Eden va se reposer un petit peu. Ma choupinette. On l'a pesée aujourd'hui. Bon, elle a perdu 25 grammes. Idéalement, il faudrait qu'elle prenne du poids avant de sortir. Hein. C'est oui. Pas. Je sais. Voilà. Donc, au moins pendant 2 jours qu'on voit qu'elle prenne du poids. Ici, hier c'était moins 5 grammes, aujourd'hui moins 25. Donc, idéalement, ce serait. Aujourd'hui. Voilà, ce serait. Ouais. Oui. Ce serait un petit peu tôt, je pense. Que maintenant que ça fait quand même quelques jours qu'elle est en phase 3, donc je pense qu'il faut juste continuer et qu'il faut juste le temps que. Voilà, elle s'adapte, qu'elle prend toujours plus de temps que le frère. Donc, oh, ça fait 2 jours. On est à quelques. Oui, oui, je sais. J'apporte un peu la mauvaise nouvelle, mais. Ça va, on va faire comme ça alors. Hein. J'en peux plus d'être ici, j'en ai marre. Ça fait 100 jours aujourd'hui, j'en ai marre. Moralement, ça devient difficile. Bon, on va la reposer encore demain et on va en discuter, hein, mais il faut au moins qu'elle ait un jour pris, au moins un minimum un jour. Après, c'est encore discutable, c'est le deuxième jour, elle a reperdu 5, bon, c'est discutable, mais au moins une fois. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas de beaucoup non plus, mais voilà. C'est non, mais bon, limite, il faudrait quand même qu'elle grossisse un peu, bon. J'ai discuté avec mes collègues par rapport à tout ce que vous m'avez demandé. Et si ça change, je viens voir avec vous. Hein. Ça va, par rapport des compléments et tout ça. Ah. Voilà. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà, désolée. Merci. Ouais. Bon, bah, on ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Oui, je t'écoute. On les mangera à l'hôpital, ben oui, bien sûr. Ah, allez, mon cœur. Je vais faire une pause parce que la petite sœur s'énerve. Ouais. Ouais. Tu dois boire, ma chérie. Pourquoi tu bois pas, ma princesse? Tous les bébés boivent.
oral. Viens. On essaye encore une fois. Et là, Eden. Coucou. Il est là-bas. Sans deux. C'est vrai qu'elle a vraiment pas, elle a pas trop envie de téter. Hein. Ah voilà. Elle est morte. Elle est morte. Parce que les premières fois que j'ai essayé de la mettre au sein, elle m'a vu le maglou. Et elle met sa langue contre le palais, effectivement. Ouais, oui. Sa langue retourne contre le palais. Tu veux encore essayer? Elle a bu 20, mais là, elle mâchonne et ouais. Le lait monte plus, donc... Regarde, c'est ton gâteau? Là, le 2. Ah bah oui, hein. Non, c'est pas un 2, c'est un 3. C'est 4. Attention, hein, c'est du chocolat. Hein. Oui, hein. Ouh, qu'il est joli. Oh, qu'il est joli. Quel beau gâteau. Oh là là. On va le mettre sur l'assiette, chérie? Ou à la limite sur le plancton. Oh là là. Ah oui, on va mettre la bougie maintenant. Hein. D'accord. Et tu vas souffler? Comme ça, ici? Comme ça? D'accord, normal, va jouer. Attends, hein. Joyeux anniversaire, Gabriel. Joyeux anniversaire. Oh, bravo, mon cœur. T'as 3 ans, mon amour. Allez, souffle. Tu vas souffler? Souffle. Vas-y, encore. Plus fort. Encore. 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 Souffle. Vas-y. Souffle. Oui. Oui. Encore? Tu veux encore souffler? Encore. Bah oui, c'est ça plus marrant, hein, on dit. T'as vu? Là, c'est en cours, ça. Par là. C'est beau, ton iris. Tu mets la voiture. Gabriel, pas crier s'il te plaît. Mais viens, je vais te montrer. Gabriel. Maintenant, ça suffit. Merci. Bon, c'est tout maintenant. C'est toi. Tu sors c'est 2 minutes. Toi. Une chouette journée d'anniversaire et toi tu es difficile. D'accord? Tu vas être gentil maintenant. Pardon. Un bisou. D'accord? On va être gentil maintenant.
C'est bon? Oh, doucement, doucement, doucement. T'inquiète. Tu râles. Ma choupinette. T'es KO. Allez, viens. On va te peser. Oh, oui, je sais. Alors, c'était donc 570. 50. Oh, bah 50, c'est bien, ma chérie. Maman, tu vois, tu vas pas me faire ça, avec le petit oreiller, ma chérie. On vient de boire 50. Bah si, vous voyez que vous la comprenez. Oui, mais, mais bon, pour plein d'autres petites... Je sais pas, je... Si ça peut vous convaincre, c'est ça que je vous dis. Vous la comprenez très bien. Oui, c'est peut-être juste une impression que j'ai de ne pas la comprendre, alors qu'au final. Parce que vous avez bien vu qu'effectivement, elle avait besoin plus de contact et autres, et que finalement, la l'écharpe lui convient très bien, et que elle a besoin effectivement de s'endormir sans problème avec vous. Oui. Je t'aime, ma poupée. Regardez-moi ça, ouh! Petit mec. Petit chat.